changer parce que depuis trop longtemps, puis il y a beaucoup moins d'attaques ouvertes. Le rôle de Maurice comme un IOC qui est joué dans le continent africain. Hein. Malheureux qu'il y a plusieurs ONG aussi institutions qui font une attaque injustifiée sur le rôle de Maurice comme un IOC. Et c'est ça que nous avons dit sans certaines questions-là, avec un chiffre à l'appui pour démontrer que c'est tout à fait non fondé et au contraire, il apporte beaucoup en termes de, bon, dans le rapport, en termes de contribution pour un projet de développement, mais aussi en termes de revenus, de taxes, et aussi en termes de création d'emplois. Alors aujourd'hui, vous nous démontrez qu'on y a plus de 82 milliards de dollars qui transforment pour un projet de développement dans la région. Et ça, c'est un rapport de 4-6 milliards de dollars américains comme revenus en taxes. Et par rapport à l'emploi, bien sûr, on fait 4,2 millions de jobs qui directement sont liés à un projet de développement. Donc, cela peut être une information qui, malheureusement, n'est pas disponible pour le grand public. Et aujourd'hui, nous faisons appel à un FIAM indépendant, la FIAM militaire, la FIAM X, pour démontrer à travers un site pour pouvoir vraiment mettre dans le rapport. Et pour moi, il me semble complètement ça donne aujourd'hui, et j'espérais bien sûr, ça les peut servir comme un outil important dans nos projets hein, pour faire encore plus pour la région. Pour appeler le continent africain, il y a beaucoup à faire en termes de développement. C'est un continent qui pourrait être appelé à vraiment connaître une croissance extraordinaire avec ce marché des consommateurs qui pourrait dépasser 1 milliard et aussi un projet de développement qui canalise vers le continent. Et Maurice a un rôle important à jouer. Il a montré dans le passé, menant des compétences, menant la structure en place, menant les connaissances, pourquoi pas faire tout ça. Et c'est ça qui nous paye mettre en avant maintenant pour qu'il nous capable justement de jouer un rôle encore plus important. Nous faire partie de l'Afrique. Hein. Et vous pensez, moi, avec ma coquine aujourd'hui, que ce soit avec le continent africain, que ce soit avec l'Inde, que ce soit avec la Chine, tout ça les pousser important, de manière beaucoup plus importante dans sa canalisation de fonds d'investissement vers le continent africain. Alors nous, on connaît beaucoup, là, nous renforçons l'institution, les régulateurs, pour mettre en conformité avec les recommandations de FATF et aussi de l'Union européenne. J'espérais très bientôt pour nous plier de ce petit-là. Et ça aussi pour nous repositionner Maurice pour la région et aussi pour d'autres marchés pour lesquels nous pensons que nous sommes encore plus présents. Alors, il y a une série de travail qui est fait au niveau du ministère, au niveau du régulateur, au niveau des partenaires de ce secteur-là, et que ce soit en termes de nouveaux produits qu'ils ont pu proposer. Et tout ça nous permet justement à ce projet, à ce secteur-là, de connaître encore plus de rôle à jouer pour l'économie de l'Église. Nous comprenons le blueprint qui nous tirait pour le secteur financier, qui est déjà dans la phase d'exécution. Et tout ça avec l'objectif de doubler l'apport du secteur financier en quelques années. Et aussi, on connaît, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en train qui sont en train dans le secteur. Ce sera les qui contribuent pour améliorer, bien sûr, l'amélioration. Alors pour moi, vous pensez que ça sera pour la dernière fois. Pour qu'il ne peut pas encore une fois nous dire, il y a ça comme un outil pour repositionner Maurice comme une juridiction, comme une trustworthy, une réputation, et nous capables de partir encore plus sur un fonds d'investissement pour utiliser Maurice comme une plateforme pour la région. À 2 semaines de l'arrivée de la délégation de la FATEC, quel est l'état d'esprit là, à ce stade?
Bah écoutez, moi, toujours, comme on dit, on nous fait une recherche focus depuis l'année dernière et nous très, allons dire, nous fions dans le sens que le travail qu'on n'a pas depuis l'année dernière, c'est à cause aux fruits. C'est la raison pour laquelle nos derniers rapports vont se mettre en avril, qui va être accessible par les acteurs. Nous avons trouvé que le fruit, bien sûr, satisfaire toutes les exigences de la fille. Et pour la raison pour laquelle le film autorise qui émène l'inspection faite sur place. Alors pour nous, on peut assurer que, bien sûr, toutes les conditions soient réunies pour qu'il la justice soit autorisée. Donc nous avons l'occasion qu'il y a toutes les réponses qui se peuvent attendre de nous. Comme ça, on pourra gagner un outcome positif. L'autre dernier de octobre. Alors pour moi, nous reste quand même focalisés. Mais une chose que moi aussi réitère, c'est que pour nous, il paraît clair. Hein, ça travaille pour consolider, pour soutenir sa combat contre le blanchiment des capitaux. C'est un travail continu en termes de formation, en termes de la nouvelle législation si besoin est. Parce que c'est absolument dynamique. Alors, le travail est continué et au niveau de ma institution, des régulateurs. Donc le travail est toujours continué, l'inspection pour continuer, la formation pour continuer et on continue à faire l'appel à un pays d'amis comme l'Union européenne, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Inde, la Chine, le Japon. Parce que même de une bonne expertise, et donc pour bien dire qu'il nous fait quand même une réponse, et déjà une question de travail très encourageant, et aussi une réponse qu'on dit très favorable, dans le sens aussi où les aide Maurice pour qu'il nous continue à renforcer nos juridictions, comme une juridiction, on peut dire, qui peut faire bon pour faire du business. D'accord. Est-ce que, une dernière question, est-ce que sa corporate governance qu'on a annoncé dans le discours-là, il pouvait y avoir plus dans tout ce qui est l'action que le ministère peut faire? Encore une fois, on connaît, hein, pour n'importe quelle entreprise, si on dit, où il y a un investisseur qui a envie de mettre sur l'argent dans une entreprise, il y a envie d'activer la manière qui vous opérez. Est-ce que vous pratiquez les bonnes pratiques de bonne gouvernance? Ça aussi, il vient de nous conseiller un outil pour capable permettre à un investisseur de choisir une entreprise qui fait partie de la bonne gouvernance par rapport à une autre qui va faire. Donc, cela nous peut commencer avec quelques entreprises qui cotent sur la bourse. Et ça, hein, c'est un départ. Et vous espérez trouver encore d'autres entreprises qui peuvent joindre, qui ont démontré ce système de l'entreprise, de partie. Appelle le de bonne gouvernance.